Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Warhammer Quest, où nous ne pouvons pas pour le moment continuer la quête principale, hein, il faut être niveau 4, et pour le moment notre groupe est de niveau naze. De niveau naze, et notre sorcier est encore niveau 2, alors pour vous dire, voilà. Donc il va falloir améliorer le sorcier. Allons sauver un joaillier, parce que ça me paraît bien. Et après, on pourra peut-être aller à Warden. Après, il faut peut-être changer de ville aussi, hein, pour des fois, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, pour le moment, on a toujours suivi les quêtes dans le sens qu'elles nous venaient. Sauver le joaillier. D'accord, pas de petit speech sur pourquoi on est là. Très bien, non mais ça me va. Hein. Ça me va aussi, ça. Ok, toi tu recules. Voilà, on va faire ça, comme ça on est en groupe. Le groupe qu'on aime. Eh oui. Alors, tout de suite déjà qui? Des zombies et des rats géants. D'accord, alors toi direct tu vas aller là. Et tu vas bousy. Voilà, merci. Voilà, merci. Continue. Voilà, merci. Ah, t'as presque bien fait ton travail. Ok. Ah, d'accord. Bravo à toi. Tapez. Oui. Oui. Ok, toi t'as combien? T'as 3 de magie. En vrai, j'ai pas forcément envie de faire. De gaspiller mon bonus pour des petits monstres comme ça, des grâces. Ok. Ok, voilà. Venez vous battre, bande de larves. Alors, en vrai, on aurait peut-être pu finir ce fight en un seul tour. Aïe! Aïe! Oh, bon de la main! Paf! Coup critique! Nickel. Ok. Ah, il s'est régénéré. On le sait qu'il se régénère. La brume de guérison, mon ami. Allez. Oui! Bravo! Allez. Oui, bravo! Quel talent, quel talent, quel talent. Cette équipe, plus 5 de pouvoir. Alors, est-ce que tu as tous tes PV? Oui, mince. Sinon, j'aurais pu faire une brume de guérison. Ça aurait pu être bien. Ok. Allez, oui, continue aide. Ok, 4 de pouvoir, c'est pas top top. On pourrait dire que c'est pas top top quoi, 4 de pouvoir. Ok. 5 de pouvoir c'est bien, parce qu'on peut faire le sort magique. Vous allez me dire c'est un sort, c'est toujours magique, mais... Allez, on a une formation dispersée. On tente une nouvelle formation les gars. Le nain en premier. Combat. Yeah. Un vampire. Ouf. Et des chauves-souris. Ouf. Oulolololo. Ok. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir ici. Ok. Alors, c'est parti. Bah, vas-y. Fais ça. Oh, yeah. Ce strike. Feu. Ah. T'as loupé le vampire. T'es naze. T'es naze. Bravo à toi. Top ça. Voilà, heureusement qu'il y en a qui bossent quand même. Hein. Ah. Ah, yeah. Allez. Boum. Ah. Vite. Bannissement des morts vivants. Voilà. On a peut-être tendance à vouloir se soigner. Ah ou. Ah ou. Ah, il fait 3 attaques? 4 attaques? T'es sérieux? Oh là 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 là, on est dans le caca. On est tellement dans la merde. Ok, 4 de pouvoir, tu peux donc faire une brume de guérison. Sur le nain. Oh. Allez le nain. Allez le nain. Yeah. Bon. C'est déjà pas si mal. Ok. Allez. Oui.
Merde! Allez, toi tu me tues ça. Bien coup mortel, très bien, boum. Allez, vas-y, bute-le, bute-le, bute ce vampire. Tu peux plus tirer avec ton pistolet? Très bien. Bah tu le refais, hein. Oui! Le vampire est mort. En vrai, je devrais tenter herborisme. Oui, 6 PV. Bravo. Quel talent. Oh, 7 pouvoirs. Nickel. Ok, hop. Brume de guérison. Oh, il ne reste que 3 dommages. 3 pouvoirs. Ouais. Encore éviter de faire son sort. En tout cas, on nous avait dit encore une fois des orques et des gobelins, et on se retrouve encore une fois à affronter des démons, quoi. Enfin, des morts-vivants. Herborisme sur le nain. Yes! Ça, c'est bon. Rencontre. Les guerriers croisent un halfling qui erre à l'aveuglette dans le donjon et semble heureux de rencontrer un groupe qui propose immédiatement de s'arrêter pour déjeuner. 10 minutes. Yeah! Nickel! Alors pourquoi j'avais fait que 10 minutes? Parce que la dernière fois on avait fait une heure, on était tombé sur un fight dégueulasse qui avait engendré un autre fight, qui avait engendré un autre fight, enfin c'était horrible. Vos guerriers pénètrent dans ce qui semble être une prison improvisée. Ils aperçoivent quelqu'un de gisant à l'intérieur d'une cage. Très bien. Alors c'est quoi? 8 orques et 2 gobelins de la nuit. What? 8 orques? Eh bien, je ne savais pas que combattre 15 orques serait aussi bruyant. Enfin... Allez! Oui. Ok. Donc toi, tu peux quand même... Ah, tu pourrais pas faire ça? En vrai, tu vas attendre. Voilà. Mais ça, ils ont pas d'archers. Ah si, ils ont deux archers. Mince, c'est des archers gobelins de la nuit. Je sais que c'était des gobelins de la nuit normaux. Ah là 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 là! Il tape le nain! Ça va. Il tape le nain. Bah, des orques qui tapent un nain. Est-ce que c'est vraiment choquant? Oui, c'est ça. Non, mais barre-toi, barre-toi. Nyee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 e
Cela fait des jours que je suis coincé ici. J'ai bien cru que je ne reverrai jamais la lumière du soleil. Je m'appelle Diebold Hofvig. Je suis chevalier. J'habite dans un village tout près d'ici. Ah, c'est pas le bon. Vos guerriers s'attendent bien. Il y a quelque chose de bizarre à propos de Hofvig. Il reste dans ses cellules. Ah, finis de s'esclaffer, de s'exclamer. Ah, finit-il par s'exclamer, pardon. Il soulève une petite dalle du sol. Voilà. Il sort une gemme absolument resplendissante. J'ai trouvé ça en venant ici. Elle vaut une petite fortune. Yes, merci. Ouais, 37, super. C'est tout? N'a rien d'autre? C'est de la merde. Vous êtes victorieux. Bah oui, bah ça... En tout cas, c'est pas grâce au mage, hein. Ok, ça donnait combien d'XP, ça? On sait pas. Ah là 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 là. Ah, on peut aller à Vorden. Très bien. Nouvelle colonie débloquée. Allez, on va aller à Vorden. Allons voir ce qui se passe là-bas. Alors, Garad a loué. Vorden est une ville aussi pauvre que la province dans laquelle elle est basée. Des bannières vertes et jaunes en lambeaux. Les ordures, les couleurs du Stirland couvrent les bâtiments et les soldats qui protègent les murs décrépits de la ville sont armés d'épées rouillées. Ça donne envie. Nombreux sont ceux qui lorgnent sur vos armes avec convoitise. Rapidement, un gentilhomme, trop bien habillé pour être du coin, remarque les guerriers. Il se lève son chapeau à plumes en guise de salutation. Des étrangers, hein? On ne peut pas vraiment leur faire confiance, ce qui fait de très mauvais clients, dit-il en désignant les habitants autour de lui. J'allais en direction du sud, en Averland, afin de faire affaire dans les régions plus fortunées. J'y ai envoyé une caravane de marchandises, mais les brigands que j'avais engagés m'ont trahi et ont volé ce qui m'appartient. Ils ont même le culot de demander une rançon si je veux récupérer ma marchandise. Ces abrutis ne sont pas capables de revendre eux-mêmes. Le marchand déchire un morceau de papier, sans doute la demande de rançon. Je ne dispose pas des fonds nécessaires sur moi, mais j'aimerais faire appel à vos services. Si vous retrouvez la caravane et que vous me rapportez dans cette ville oubliée des dieux, vous serez richement récompensé. Très bien. Ok, nouvelle quête. Alors, ah mais elle est seulement niveau 3, très bien. Donc des fois, il vaut mieux se barrer... Oh, oh, forgeron. Ah, une guilde de sorciers. D'accord, bien, 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 bien. Alors, on va prendre les bandages. On va prendre les bandages moyens et on va vendre des choses. Alors, on va vendre quoi? On va vendre ça, déjà. Voilà. On va vendre ça aussi. Voilà. Pour le moment, on n'est pas si mal que ça. Eh bien, non. Reprendre. Partons à l'aventure et on va aller faire les gardes à louer. Qui, en vrai, elle est niveau 3, donc on peut la faire. Tant qu'à faire, faisons... ouais, donc des fois, il vaut mieux quitter la ville où on est quand on n'est pas le level et faire d'autres villes pour trouver des quêtes plus de notre level. Ouais, mais il y a des choses à dire. La caravane était facile à pister. Une fois sortie de la route, elle laissait des traces profondes dans la boue à cause de sa lourde cargaison. Vos guerriers remontent la piste jusque dans les sous-bois. Il retrouve le convoi complètement détruit dans une clairière. Les charrettes sont retournées et quasiment entièrement vides. Le campement improvisé est couvert de peaux, d'épices brisées et de ballots de textiles. Vous retrouvez aussi les corps piétinés des gardes. Ah! Ça avait percé une machette d'orques à moitié enterrée. D'accord, donc ce sont des orques. Les peaux vertes sont tombées sur vos ennemis avant vos guerriers. Mais les marchandises ont quand même disparu. Votre groupe essaie de se forger une réputation, ce n'est pas en revenant les mains vides qu'ils vont y parvenir. Vous parvenez aisément à suivre les orques dans lesquels ils refugent dans les ruines à 2000 d'ici. D'accord. Et eux. Eh bien, alors. Ah, direct des orques. 7 boys archers. D'accord, alors. Hop. Voilà. Alors, déjà, tapez-lui. Voilà, lui est mort. Très bien. Tac. Et toi, tac. Ok. Alors déjà, tu vas faire dague de l'ombre sur lui. Oui, 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 je sais. Ça blesse aussi les amis. Et c'est pas très grave. T'inquiète, ça passe. Ok. Et tu peux pas te déplacer après que t'aies fait des sorts. Non. Allez.
Toi, tu tapes sur lui. Voilà, tu le tues. Tu tues lui. Quel talent. Maintenant, tu fracasses ce petit con. Voilà. Et toi, tu peux tirer sur aucun des deux. Très bien. Ah, il est nul. Aïe, ça fait mal. Ok, alors le mage va aller là. Parce que le mage doit gagner de l'XP, donc il faut qu'il tabasse les orques. Allez. Ok. Très bien. Il en a tué un, hein, ce qui est déjà en soi pas si mal que ça. Et il en a tué un deuxième. Bravo à lui. Ok. Toi, tu vas aller de là. Oh bordel. Troll d'eau. Oh merde. Oh merde. Oh merde. We are in the caca. Mouse costaud. Ah. Ah. Quel talent. Non. Alors, tu vas te déplacer jusqu'à l'archer gobelin. Tu vas le tuer. Évidemment. Et si tu pouvais tuer l'autre, ça m'arrangerait beaucoup. Ah. Bon. Au revoir, petit humain. Tu vas mourir, tu le savais ça? Oh. D'accord. Aïe. Aïe. Ok. Donc, déjà. Déjà. Ouais, non, ça c'est pas une bonne idée du tout. Brume de guérison sur moi-même. Ah, parce que je suis un mage et donc je suis un peu con. Hop là. Oui. Ah. Ok, toi taper. Bravo. Allez, tue-moi ça. Voilà, merci. Ok. Toi taper. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Et toi, tu viens là et tu le tues. Allez. Ah non. Allez. Oui, c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Ok. Comme quoi, tout va bien. Brume de guérison. On voit, tout le monde est blessé. Ok, toi tu vas jusque là, toi tu vas là, toi tu vas ici, et toi tu vas là. Ah, tu peux pas aller jusque là? Mince. Herborisme. Plus 5 PV, bien. Bravo, DC. Brume de guérison. Allez, hop. Voilà, on est bon. Hop, toi tu vas avancer là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Voilà, le nain va se déplacer en premier. Ah! Rencontre! Les murs et les plafonds sont recouverts d'une étrange chaleur lorsque vos guerriers pénètrent dans la pièce, la vase tremble. Merde. Le guerrier se libère. Mais il était blessé. Ah! Bon après. On connaît, on l'avait déjà eu cet événement-là. Et on remerciera la moto de passer. Alors, ah, une petite brume de guérison sur le nain. Allez, une petite brume de guérison sur le nain. Voilà, allez, on va aller par là. Je sens que c'est pas la fin de la mission par là. Allez. 7 de pouvoir, mais très bien. Brume de guérison. Ah, alléluia. Ok. Bien. Hop là, allez. Ils déplacent vite le répurgateur. Ça m'ennuie un petit peu. Oui, continue de soigner. Plus tu soignes, plus tu gagnes d'XP. Alors moi, ça me va. Hein. Ok. Bon. Je commence à avoir un doute si ce n'est pas la suite. Si ce n'est pas la fin de la mission par là. Trop de pouvoir. Ok. Ah! Des boys archers orques. Alors, ils sont où? Ils sont dans notre dos. Ok. Toi, t'as pas de magie, comme par hasard. Alors, tu vas te déplacer là. Le nain, tu viens là. Toi, tu peux venir là. Toi, tu remontes aussi. Ok.
Toi, tu peux rien faire. Allez, vas-y, tire. Yeah! Allez. Ok, bravo à toi. Yeah! Fuyez, vous ne pouvez rien contre nous. Aïe! 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 Ça va. Ok, 5 de pouvoir. Alors, en vrai, tu vas faire le coup de tonnerre, là. Voilà! Ah! Bravo à toi. Hop là, tu vas te mettre au milieu et tu vas taper sur celui-là. Bravo. Hop, vas-y, tue-le lui. Bien. Bien. Loupé. T'es une grosse merde. Ok, meurs. Voilà, bien. Bon, de toute façon, il est obligé de taper au corps à corps. Aïe, ça fait mal, mais il est obligé, il était obligé. Deck de l'ombre. Ah oui, je bourrine. Hein. On est là pour ça. Quel talent. Oh! 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 Toi, tu reviens là. Herborisme sur le mage. Ah, échec. Bon, ça va, ça lui a rien fait. Ok, 4 de pouvoir, une petite bombe de guérison. Allez, petite bombe de guérison. 3 PV, en vrai, c'est pas si mal que ça. Hein. Ok. On va faire un petit peu d'herborisme sur le nain. Ah, échec aussi. Quitter le donjon, journal configuration. Non. Il n'y a pas moyen d'avoir l'équipement. Ah si, je savais bien qu'il y avait moyen d'avoir l'équipement. Allez, on va mieux toucher. Et ça, c'est inconsommable ou pas? Ouais, utiliser qu'une seule fois. Hein. Je préfère le garder. Je ne sais pas pourquoi. Encore? Oh, encore dans notre dos, quoi. Sérieux, et genre super loin. C'est très chiant. Est-ce qu'ils le savent que c'est très chiant ces orques? C'est peut-être pour ça qu'ils le font. Allez, un de moins. Deux de moins. Trois de moins. Voilà. Allez-y. Ça, ça va. Aïe. Alors, attendez. Toi, tu veux aller là-bas. Et toi, tu peux aller jusqu'où? Tu peux aller jusque là. Donc, tu veux aller là. Parce que tu vas tuer cet orque. Tu vas tuer cet orque. Tu vas tuer cet orque. Tu vas taper cet orque et tu vas le tuer. Naze. 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 Hop, toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Ok. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour faire ça. Mais vous le faites exprès, non? Mais c'est quoi ce tour? C'est quoi ce tour de merde? Vous l'avez fait exprès, là, avouez. Aïe. Mais bon, le mage peut taper. Tu vas le tuer, ouais. Merci. Voilà, ok. Par contre, une petite brume guérisseuse, s'il te plaît. Plus 6 PV, bravo à lui. Alors, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi tu reviens là. Ok, herborisme sur le nain. Échec. Rencontre. Examinant. En agrippant l'étranger, les guerriers s'aperçoivent que ce n'était pas une bonne idée. Se repose à l'aide, l'homme s'effondre dans ses bras morts, ses capuches glissent. Dévoilant son visage dévoré par la peste. Ah, sympa. Par contre, toi, ce serait bien. Mais tu ne fais que échouer là. Ok, 5 de pouvoir, brume de guérison sur elle. Allez. 5 PV, c'est pas folichon, mais vaut mieux ça que de mourir.
Et je veux pas forcément utiliser mes soins pour le moment. Arrête pas d'échouer là. Ah, ok, 7 de pouvoir, très bien. Brume de guérison. Allez. Ok. Allez. Un chef gobelin de la nuit et 4 gobelins de la nuit. Ok. En vrai, tu vas continuer à avancer jusque-là. Toi, tu vas avancer là. Toi, tu vas avancer là. Et toi, tu vas avancer là. Ok. Alors, toi, tu tapes lui. Voilà, nickel. Ok, toi, tu viens là. Tu tues lui. Évidemment. Maintenant, tu tires sur lui. Tu tires sur lui. Merci. Toi. Toi, tu ne peux rien faire. Alors, toi, tu vas tuer lui. Bravo. Bravo. Toi, tu vas avancer là. Et tu vas ne rien faire d'autre. Ailleurs. Ailleurs. 6 de pouvoir. Bien. Brume de guérison. Attends. Il peut se déplacer après avoir fait brume de guérison? Je ne sais pas. Tu vas aller là. Tu vas faire brume de guérison sur lui. Voilà. Maintenant, tu vas faire dague de l'ombre sur lui. C'est pas grave. Le répurgateur, il est capable d'encaisser. Voilà. Maintenant, tu vas taper lui. Et voilà, le mage, le mage, le mage dans toute sa splendeur. Ouais. N'a rien eu. Pourquoi n'a rien eu? N'a pas eu de bonus. On a fait un combat gratuit. Ah, dégueulasse. Bon, ça va, il s'est bien passé ce combat, mais c'est dégueulasse quand même. Non, c'est pas dégueulasse. Vous trouvez pas ça dégueulasse, vous? Saloperie de jeu. Tricheur. Mort au jeu! Mort au jeu! Ok, toi seulement 3 de pouvoir. Tac ici, toi là. Normalement, c'est à peu près la zone finale où il pouvait aller. Allez, on continue. Ah, 4 de pouvoir, très bien. Une petite brume guérisseuse sur toi déjà. Allez hop. Alléluia. Ok. Ok. Bon. Les orques et gobelins, ça va, on gère quand même. Hein. Moi, j'aime bien les orques et gobelins. Je préfère les orques et gobelins aux morts-vivants. On a plus de facilité à les gérer. Hein. Quoique, avec le répurgateur, les morts-vivants, ils se font défoncer. Parce que, bon, on fait du bannissement. Parce que je le fais pas assez, mais sur le vampire tout à l'heure, je faisais que des bannissements, il était mort. Hein. Les murs et plafonds sont recouverts, ok. Aïe, merci pour les 6 points de vie dans la face. J'ai apprécié. C'est faux, hein, je n'ai pas apprécié du tout. Aïe, merci pour les 6 points de vie dans la face. Punaise, ça peut faire 6 points de vie, quoi. Il a pris 12 en un tour, quoi, le nain. Le nain, il a pris cher. Ok. Ah. Un chaman gobelin et 4 guerriers orques. Ok, très bien. Et hop, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Alors, le chaman, c'est lui. Tue-le. C'est qu'un sorcier. Tu ne dois pas avoir de mal à le tuer. Voilà, merci. Boum. Allez, toi dégage. Toi dégage. Ah, non. Toi dégage. Non. Apparemment, non. Allez, avance rapide. Pour revenir au cac. Ah. Ah. Ok. Oh là 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 là. Un chaman de plus et deux guerriers orques de plus. Où est le chaman? Où est le chaman? Ah, mais il est tout au fond, quoi. Sérieux. Taper. Voilà, coup mortel, très bien. Très bien. Allez, meurs, coup mortel, bien. Bien, 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 bien. Alors, vous allez vous diriger vers le chaman. Oh yeah, je peux l'avoir. Yeah!
Ah non! Le nain prend cher. Non, ça va. Ok, il a pas de pouvoir, donc ça c'est très bien déjà. Vas-y, essaye de l'avoir de là. Yeah! Merde. Hop, toi tu vas continuer à t'approcher. Taper. Yes. Toi tu vas t'approcher. Ah, il peut tirer de là-bas quoi. Meurs! Yeah! Yeah! Ok, toi tu reviens là. Toi tu viens ici. Toi déjà tu reviens là. Brume guérisseuse. Ah, tu peux le faire de loin. Intéressant. 2 PV, d'accord. C'était de la merde. Oh bordel. Oh bordel, 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 bordel. C'est la merde. C'est la merde. C'est clairement la merde. Tue-le. Ok, tu peux pas te déplacer derrière. Toi, tue-le. Yes. Ok. Tu tires sur lui. Yeah. Tire sur lui là-bas au bout. Yeah. Si j'ai confiance dans mon mage qui va tuer cet olibrius. Au revoir le mage. C'était un plaisir. Ah non, ouf. Ah. Ah. 6 pouvoirs, très bien. Tire-lui dessus. Mais tire-lui dessus! Mais il le fait exprès, hein. PC le fait exprès. Voilà, ok. En vrai. Allez, je peux pas toucher les deux. Une brume guérisseuse sur moi-même. Parce que je suis un mage et que donc je suis un quoi? Ok, fin du tour. Ah ouh! Sur le mage. Ok, très bien. En vrai, toi tu vas te déplacer, toi tu vas te déplacer. Feu! Feu! Yes. Et toi tu peux lui tirer dessus? Oui. Coup critique, one shot. Ah non. Toi tu vas te déplacer là et toi tu vas te déplacer là. Voilà! Ok. Tirer. Yes. Bon, on va pouvoir continuer à avancer ou pas? C'est une question, hein. Parce que après, si l'ordi veut pas que je continue à avancer, nous on reste là et puis on tabasse des orques à l'infini. Punaise! Encore un. Voilà, merci. La vase, quoi. Toujours la vase, hein. Hop, hop, et le mage va avancer aussi. Oui, c'est bien. Ok. Brume de guérison, qui a besoin de soins? Tout le monde. Ça, c'est bien. Voilà. Hop là, toi tu peux plus te déplacer, toi tu peux te déplacer, toi tu peux te déplacer aussi, donc tu vas. Ok, yes. On a réussi à se regrouper, c'est déjà pas mal. Et on va peut-être même pouvoir avancer. Oh oui! Ok, on a réussi à avancer d'une case, d'un petit peu. C'est déjà pas mal. Hop là. Ce mage qui est en train de soigner tout le monde, quoi. Ok, voilà, on s'est rassemblés. Ah, yes! Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, le groupe full life. Prêt à en découdre quand on va passer cette porte. Un troll d'eau, 5 gobelins de la nuit. Ok. Tu vas aller là. Tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Ok, alors. Déjà, toi, tu vas commencer tout de suite. Ok, très bien. Objectif réussi. C'était l'objectif, c'était de tuer ce gobelin. Merci. Bravo les gars! C'est comme ça qu'on meurt, vous savez? Ok. Bon, le troll est con.
Moi ça me va, ok. Oh bordel, 4 guerriers orcs en plus et en plus dans notre dos. Sérieux quoi? Allez. Ok, lui est mort. Tue-le. Tue-le! Tu le fais exprès. Oh, bordel. Ok, tue-le. Voilà. Bravo. T'es bloqué par ça, quoi. Sérieux? Allez. Tue-le. Tue-le, 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 tue-le. Pourquoi tu peux pas tirer, là? T'es fou. Ah, vomi de troll. Oh. Y a trop d'orques ici. On va mourir. Aïe, mon nain. Mon nain va mourir. 6 pouvoirs, bien. Brume de guérison tout de suite sur le nain. Allez. Ok, tapez. Oui! Tu peux pas te... Ah non, tu peux pas te déplacer. Merde. J'ai fait le con. Tirez. Tuez le troll. Vous le faites exprès, non? Mais vous le faites tellement exprès, c'est pas possible. Ils le font exprès, hein. Ils le font exprès, je crois. Non, mais là c'est une blague. C'est une blague. C'est une mauvaise blague. Vous savez que vous allez mourir. J'aime bien, c'est les gars qui sortent pas les doigts du cœur qui vont mourir, quoi. Les gars, arrive un moment, il faut se battre, hein. Le nain, tu vas mourir. Tu le sais, ça? Bravo. Allez, vas-y, le nain. Oui! Quel talent t'as réussi à tuer le troll? Au bout de 20, de 25 minutes, il a réussi à tuer le troll. Ok. On est prêt? Allez. Un mort. Coup mortel, très bien. Très bien. Tue ce con. Bah voilà! Bah voilà, bah voilà, bah voilà. C'est ça qu'on voulait voir. Allez. Dague de l'ombre. Ah ah ah! Et bah voilà, vous voyez que c'était pas dur. Hein? Vous êtes Victor. Ah! D'accord, on a eu aucun texte d'ambiance pour ça. Très bien. Yeah! Yeah! Très bien! Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Les peaux vertes ayant été tuées par un orc. Ayant été tués par... Hein? Les pauvres qui ayant été tués par un orque, les aventuriers partent à la recherche de la marchandise. Ils retrouvent quelques biens, les rouleaux de tissu et les flasques de liqueur brisées, mais ils n'arrivaient pas à mettre la main sur le gros de la marchandise. Doté d'une excellente sens d'observation, un de vos guerriers marque un interstice à la base de la fontaine. Comme un seul homme, vos aventuriers décident de la pousser et découvrent des escaliers en bois menant vers une autre pièce. Vos guerriers trouvent qu'il est... Ce qu'il reste du convoi, mais une partie de la marchandise a été perdue à cause de l'humidité. Le groupe remonte la marchandise à la surface après avoir récupéré. Ok. Ce n'est pas plus... Ce n'est que plus tard que les aventuriers se rendent compte qu'ils sont en possession de deux charrettes pleines de biens de grande valeur. Bien évidemment, ils peuvent les rapporter aux marchands, lesquels seront reconnaissants et les récompenseront d'une manière ou d'une autre. De plus, les guerriers lui avaient promis qu'il lui apporterait ses biens. Toutefois, rien n'empêche de diriger vers un autre village afin de revendre les biens. Non, on va les garder. On va rendre les biens. Vous rendez les biens au marchand, il vous remercie et vous donne une récompense, 200 pièces d'or. On aurait peut-être gagné plus à ne pas lui rendre son pognon. Mais nous ne sommes pas de vulgaires voleurs. Nous sommes des guerriers honnêtes. Ok, on va faire les level up. Alors, le nain va s'entraîner. Capacité de tir, 3. Est-ce qu'il peut tirer? Non. Point de vie, ok. Pas de nouveau pouvoir. Ok, très bien. Il retourne. Toi, tu peux pas. Mais toi, oui. Enfin, le mage monte au level 3. Ah, il a deux attaques de mêlée. Yes! Et il peut faire 6 d'accumulation déjà. Cyclone, essayez d'étourdir les ennemis ciblés. Il a 50% de chance que chaque ennemi ciblé soit étourdi jusqu'au prochain tour. Ça peut être pas mal. L'un de vos guerriers, principalement agité. Oh non. Examen des blessures. Moins 1 d'endurance, moins 6 points de vie max pendant un donjon. Très bien. J'aime ce. J'aime ce. Pas du tout.
4, ok, 19. Frappe sournoise. Inflige une frappe sournoise à l'ennemi ciblé. L'attaque ignore l'armure, mais les dégâts infligés ne prennent pas en compte la force du répurgateur. D'accord. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.